Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Coucou les loulous. Coucou. Il manque quelqu'un là. Oui. Bah, elle est où ta soeur? Sous la table. N'importe quoi, Océa, n'importe quoi. Coucou ma chérie, ça va? Oui. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Il y a des surprises. Eh ben non, pas de surprise. On va répondre aux questions. Des surprises. Océa, elle est tellement gourmande qu'elle voit des surprises partout. Non, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour les abonnés. Vos abonnés vous ont posé des questions et ils aimeraient que vous leur donniez une réponse. Alors, vous êtes prêts à leur répondre? Oui. Oui? Alors, on commence? Oui. Oui. Alors, nous avons tout d'abord Stéphane. Alors, Stéphane qui vous demande comment ne plus se disputer entre frères et sœurs. Oh là là! Alors? On ne sait pas. Vous ne savez pas. Eh oui, parce que Corentin et Océane disputent tout le temps à la maison. Comme je veux faire un bisou, Alors ils ne se disputent pas dans le bain, ils ne se disputent pas le soir au coucher, ils se font quand même un bisou. Donc moi je pense que le plus important... Mais quand je veux faire un bisou, c'est la journée qu'on se dispute. Je me suis endormie toute seule. Je pense que le truc c'est... Alors moi je pense qu'il faut, pour limiter les disputes, pas pour les arrêter, parce que pour les limiter... Il faut les occuper à autre chose et les faire participer équitablement. Ça vous va? C'est ça. Alors, question suivante. Alors, attention. Alors là, c'est Priscille qui vous pose des questions. Alors, Priscille, elle a beaucoup de questions à vous poser. Ah, d'accord. D'accord? D'accord. Alors, la première, c'est... Quelle vidéo avez-vous le plus aimé tourner? Moi, la mieux que j'ai préféré tourner, c'était la glace au Malabar. Glace au Malabar, d'ailleurs, qui n'est pas encore en ligne. Oui. Elle sera là dimanche. Corentin vous a donné une petite info confidentielle. Et ensuite, Océane, alors, quelle vidéo t'as aimé le plus tourner, toi? Le gant de la femme des neiges. Le gant de la reine des neiges, eh oui! Toujours Priscille qui vous demande, est-ce qu'on va voir le papa dans les vidéos? Oui! Oui, oui, et oui, très bientôt on va voir le papa dans une vidéo. Mais pas tout de suite. Ensuite, c'est toujours les questions de Priscille, hein, qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Alors, qui donne les idées de thèmes de vidéos? Des fois c'est les abonnés, des fois c'est nous qui réfléchis ou des fois c'est notre maman. Oui, et puis des fois un peu l'autre fois la maîtresse à l'école aussi. Ouais. Et moi c'est pareil que Corentin. Et toi c'est pareil que Corentin. Ok. Alors ensuite, est-ce que vous pouvez faire une vidéo cet été à la plage? Ce serait sympa comme thème, le plus beau château de sable. Moi, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Moi, je sais sur une mer rose. Tu voudrais bien faire une vidéo à la plage? Oui, mais avec un peu ça, on fait un château de sable, on met un peu d'eau dans le sang, ça c'est une mer rose et ça fait une montagne. D'accord. Est-ce que vous avez une passion, une activité ou un sport favori? Moi, j'ai un sport. Ah oui, c'est quoi ton sport? Je fais du karaté. Eh oui, Corentin fait du karaté. Et bientôt, il va passer sa première... ceinture. Et c'est jaune. Et elle va être jaune et blanche. Et Océane, est-ce que t'as... Alors, Océane, tu fais pas encore de sport.
Mais tu vas bientôt en faire un, tu vas faire lequel? Elle va faire la danse. Elle va faire de la danse à la rentrée des classes. Alors ensuite, nous avons... Ah oui! Quel est le dessin animé préféré de Corentin et de Océane? Alors moi, j'ai un dessin animé qui est vraiment mon préféré, c'est Star Wars. Ah oui, Star Wars Rebelle. Oui. Ah, et Océane? Et moi, c'est la Reine des Neiges, Elsa. Ah oui, la Reine des Neiges, bien sûr. Et alors, quel est votre héros ou héroïne préféré? Moi, c'est Maître Yoda. Oh, Maître Yoda. Et moi, c'est Elsa et Anna. Elsa et Anna. Forcément, Océane a tout de la Reine des Neiges. Elle a le cartable, elle a... Le gant. Elle a la robe, elle a les draps, elle a La couronne. Elle a vraiment tout. Sauf les chaussettes, peut-être. La couronne, elle a vraiment tout. Ah, même les chaussures de Elsa qui s'allument, en fait. Oui, même les chaussures de Elsa qui s'allument. Pour vous dire comme elle adore... Elle s'allume dans le noir, en fait. Alors, toujours une question de Priscille. Alors, en quelle classe êtes-vous? Moi, je suis en grande section. Moi, je suis en petite section. Voilà. En maternelle, vous êtes tous les deux. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus faire à l'école? Moi, j'aime bien faire mon cahier d'écriture. Ton cahier d'écriture, voilà. Et moi, c'est les dessins, mais les plus beaux dessins pour les mamans. Ah oui, des dessins pour les mamans, elle a bien fait Océane et Corentin. Et les plus beaux, par contre. Ah oui. Moi, je suis dans l'écriture, moi. On ne grabouille pas. C'est pas bon de grabouiller. On fait des fleurs, on fait des cœurs. C'est joli, ça, les fleurs et les cœurs. Ouais. Alors ensuite, une question de Delphine. Coucou Delphine. Alors, est-ce que vous allez faire une vidéo sur la pizza maison? Oui. Oui, bien sûr. C'est prévu de faire une pizza maison. Mais elle va arriver très très vite, la vidéo, hein? Oui. Oui. On n'en dit pas plus, hein? Oui. Ce sera une surprise. Oui. Alors ensuite, nous avons Alan qui nous demande... Vous utilisez quelle caméra quand vous faites des vidéos? Ah ben on utilise le téléphone de notre maman. Ah ouais, on utilise un iPhone 6. Oui. Voilà, bon. Et surtout, on a deux téléphones surtout. Oui, alors voilà, c'est avec l'iPhone 6 que nous vivons toutes nos aventures. Maman, c'est avec un jeu et avec ta jeu. Eh oui. C'est avec un jeu de maquillage. Alors ensuite, Alan... qui nous pose comme question aussi. Que faites-vous quand vous ne faites pas de vidéo? On joue à des... avec nous jouer. Vous jouez avec vous jouer, ou on va à l'école. Oui. On fait la même vie que tous les autres enfants, en fait, c'est ça, hein? Oui. Faut savoir qu'on tourne que un petit peu le mercredi, c'est tout. Et le oui. reste du temps, on est toujours libre en train de jouer. Intéressant. Ouais, sinon, on en fait le week-end, des fois. Oui, on fait quelques vidéos le week-end. Sinon, on en fait ce matin, sinon. Oui, oui. Bon. On en fait quelques-unes le week-end, mais c'est vraiment quand ce sont des vlogs, quand on fait des sorties spéciales. C'est pas vraiment des vidéos où on est assis dans la maison. On est assis... On vit comme les autres. On est assis dans la voiture. Alors, Sophie nous demande quels sont vos chocolats préférés et tous vos gâteaux. Mes chocolats préférés, c'est Kinder Surprise. Après, mes gâteaux préférés, c'est les Mikado, les cookies. Moi, je crois que tu aimes bien aussi les Daily Shock. Oui. Oui. Et moi, j'aime bien les Kinder. J'aime bien. Des gâteaux. Il aime bien. Des gâteaux quoi? Des gâteaux au chocolat. Des gâteaux au chocolat. Et surtout du chocolat dur. Le chocolat dur, oui. Océane aime bien le chocolat noir. Oui, j'aime bien aussi le blanc aussi.
Ouais, en fait, on sert d'être beaucoup de choses. Après, t'aimes bien quoi encore comme gâteau, J'aime bien le chocolat, le gâteau à la fraise. Le gâteau à la fraise. Surtout oui. Des fraises. Des fraises avec pas que. Quoi, les sourires. Non, avec pas que les cerises. Avec pas que les cerises. Pas que. Les sourires au chocolat. Oui, voilà, Océane adore les BN, elle adore les bichocos. Mais en fait, j'aime plus de chocolat tout. Pour le gâteau, en fait, j'aime bien... Toi, t'aimes bien le chocolat au lait. Non, j'aime pas le chocolat au lait. Au lait. Bon. T'as dit au lait. Le chocolat. En crème de lait. Bon, ensuite, Stéphanie nous pose la question. Quel oiseau est le symbole, accrochez-vous bien, de l'Alsace? De l'Alsace. Une cigogne. Une cigogne, bravo Quentin. Eh oui, c'est la maman de papa qui est née en Alsace. Donc, on sait quel est le symbole de l'Alsace. Mais et surtout comme papy, c'est papy Michel aussi. Alors voilà, on a fini de répondre aux questions de nos abonnés. Donc on vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu, de nous avoir posé toutes ces questions. Ça nous fait vraiment plaisir parce que comme ça on voit que la chaîne vous intéresse. C'est vraiment sympa. On en refera une autre vidéo un peu plus tard, hein, les enfants, vous êtes d'accord? Oui. Comme ça, on répond aux questions. Surtout, n'hésitez pas aussi encore à mettre un petit pouce vers le haut, vers le bas. Un petit pouce vers le haut, vers le bas. Un commentaire. Et abonnez-vous. Et en attendant, merci les abonnés. Et à la prochaine pour de nouvelles.